Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une boule en Lego. Donc ça va nous donner à peu près ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir ce que nous avons besoin comme composants. Bien. Alors nous allons commencer par faire une première face. Alors, pour faire une première face, on a besoin de mettre les pièces comme ceci. Ensuite, on va venir mettre la plaque ici, comme ça, par-dessus. Voilà. Et on va mettre deux petites, deux quatre sur le côté, comme ça. Ensuite, après, on vient mettre une plaque de 6. Comme ceci au milieu, on vient rajouter deux plaques de petites de 4 sur le côté et les petites de 2 là ici sur la fin. Après, on vient mettre la plaque de 4 comme ça et la petite dernière sur le dessus. Et donc voilà, on a une face. Et ça, il faut le faire 6 fois. On se retrouve juste après. Et voilà, on a fait les 6. Ça a été rapide. Bien, une fois qu'on a fait les 6 faces, on va pouvoir attaquer la construction de la boule. Alors pour ça, on va prendre ces pièces-là et on va venir les mettre sur une face. Comme ça, ici. Ensuite, l'autre, on va la mettre comme ça, au bout. Ensuite, celle-ci, on vient la mettre ici, comme l'autre. Et la quatrième, ici, au bout. Voilà. Donc là, on a ça. Et ça, on va le faire 2 fois. Et voilà, on a les 2. Donc maintenant, on va pouvoir assembler notre face. Alors, ce qui est important, c'est, vous voyez, cette partie-là, ici. On ne peut pas aller en contact avec celle-là. Donc en fait, ça va venir que il faut que le lisse vienne ici. Et hop, comme ça. Ensuite, hop. Et donc inversement, l'autre partie, ici, vous voyez, sur la partie lisse. Comme ça. Et on les assemble de façon à ce que ça fonctionne. Donc dans l'idée, c'est d'assembler aussi cette partie là de façon à ce que on ait déjà une base à peu près solide. Donc, voilà. Okay. Et ensuite on assemble ainsi de suite toutes les phases. Et voilà notre boule terminée du coup. Donc là, nous sommes sur un gros modèle. On peut faire des modèles un peu plus petits en mettant un peu moins d'écartement. En fait, on va réduire la quantité de pièces et la taille avec des supports plus petits. Et voilà, donc tout est faisable. Et voilà comment on peut faire une boule Lego. Tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci et à bientôt. Attendez, quoi? Non! C'est pas la fin, c'est pas possible!